Il aurait célébré ses 79 ans ce 26 août. Quelle est la cause de la mort de Patrick de Vegian, ancien ministre délégué chargé des libertés locales, également ancien ministre délégué à l'industrie, qui est mort dans la nuit du samedi 28 au dimanche 29 mars 2020. L'homme politique, alors âgé de 75 ans, s'est éteint après avoir contracté la Covid-19. Il avait été hospitalisé quelques jours auparavant après avoir été testé positif, avait rapporté Le Parisien à cette époque. L'état de santé de Patrick de Vegian s'était rapidement dégradé, quelques jours après son hospitalisation. L'une de ses collaboratrices avait déclaré au Point, son état s'est dégradé vendredi soir, le 27 mars 2020, note de la rédaction. Les médecins ont décidé de le placer en coma artificiel pour l'intuber. L'homme politique de 75 ans est toutefois décédé le 29 mars 2020. Les causes du décès évoquées par son fils. Le décès de Patrick de Vegian a été brutal. Pour rappel, la pandémie de Covid-19 avait débuté depuis quelques mois, en mars 2020. Deux jours avant sa mort, l'ancien ministre avait donné des nouvelles de son état de santé sur Twitter. « Je suis touché par l'épidémie, donc à même de témoigner directement du travail exceptionnel des médecins et de tout le personnel soignant. » En mars 2021, François de Vegian avait fait quelques confidences au sujet de la mort de son père aux journalistes du Point. Il avait notamment expliqué que ce dernier était persuadé qu'il allait se remettre, peu avant de mourir. Il avait également ajouté, « On ne savait pas trop ce que t'est la Covid, on voyait ça un peu de loin, en se disant la maladie, si est-il pour les autres ?» Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Stéphane Le Mouton.